Salut à tous, c'est Mr Freeze, on se retrouve pour la suite de FF5. Donc c'est parti, continuez. Est-ce que je vais attendre, non. Est-ce que je fais une sauvegarde rapide ou pas, je m'en rappelle plus. On va plutôt faire ça, c'est plus prudent. Voilà, donc on était dans la caverne des pirates. Je monte un peu le son de mon casque. Voilà. Donc bah là, il y avait rien à comprendre, hein, à part qu'il y avait un navire qui naviguait sans vent. On ne comprenait pas trop. Bon, les combats, on va tous les faire en auto pour l'instant. Qui va me laisser les mains libres pour faire autre chose. Manger. Je vous ai attendu au chaud. Ok. Donc là, c'est vraiment un truc de pirate. Hein. C'est fou. Ah mais c'est pour ça que le mec avait un bonnet, un cache-œil et un perroquet, non j'ai... Il n'y a pas de perroquet mais... Vieille baderne. Donc là, on va faire ça. Je sais pas à quoi ça sert, hein, je m'en rappelle plus. Mais... Pourquoi les PNJ dorment tout le temps quand on doit voler un truc? Bah, il a pas le sommeil léger lui. Bon, il se rendort comme ça. Alors, je crois que en fait il y a rien à faire à part prendre les voiles. Quel con, la conne. Mais surtout, dire à des pirates, je suis une française, désolé. Ça fait un peu... Prenez-moi en otage, demandez une rançon. Donc apparemment le pontife dit quelque chose à Faris. Quand même pas mal d'humour dans FF5. On peut même plus sortir du château sans se prendre des météorites dans la gueule.
Quelle époque de merde. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Merde, je me trompe de touche. What the fuck? C'est quoi cette chorégraphie là? J'aime vraiment le design de Faris. Il est bien foutu. Il ressemble pas du tout à sa gueule sur le jeu, mais. Oh, les yeux qu'ils ont fait. On a vraiment un psychopathe. Bon, bien sûr, elle accepte, hein, parce qu'elle se dit, elle a le même pendentif que moi, il y a son père, peut-être que, voilà, il sait pourquoi j'ai ce pendentif. C'est parti! Donc là, on débrouille un succès, viens dire bonjour, Syldra. Parce que je sais que vous pouvez pas voir les succès, apparemment. Ah oui, quand on a commencé le jeu, on a débloqué un succès aussi, c'était, je sais plus ce que c'était, mais en gros, c'est un succès parce qu'on a commencé le jeu. Il y a un client satisfait, c'était. Donc là, on va dire non. Juste pour faire chier. Il me faudrait la carte du monde. Il n'y a pas de carte du monde. Merde. En fait, je voulais aller au village avant d'aller au. J'espère qu'il n'y a pas de combat. Ah, voilà le village. Donc ça, c'est le village de Tulle. On peut très bien aller au temple du vent direct, hein. Donc c'est sympa, il y a une musique pour chaque village, une musique pour chaque endroit. Les musiques de comment? D'FF5 sont spéciales, je trouve. Enfin, on voit bien que c'est une musique de FF5 par un autre. Donc là ils vendent des sorts mais ça sert à rien parce que on peut pas les équiper pour l'instant. Parce que y a un système de classe. Hein. Alors par contre ce qui est bizarre. Ah mais ça c'est énorme. Parce qu'avant on était obligé de fouiller comme des cons. Et maintenant on a des points d'exclamation sur la tête quand il y a un truc à fouiller. C'est trop bien. Du coup bah on a plus besoin de faire AAA devant chaque. Oui, je suis un novice. Yes. Alors, les coffres. Dégage, je veux le coffre. Une potion. Une queue de phénix. Bah, je veux bien, mais là, tu m'empêches de prendre l'autre. Ah, bah non. Quand je vous dis qu'il y a des passages secrets partout dans FF5. Bon, je dis que j'étais un débutant juste pour avoir.
Quel enculé! Waouh! Combat le plus long du monde. Alors, des mocassins. Alors, les mocassins, bah c'est ça. Bon, on va le mettre sur. Sur Bards. Bards. Alors. Ah, mais est-ce que la map monde elle indique la carte du monde? Non. Et attends, attends, attends. La bibliothèque. Alors, le système de classe est vraiment génial de chez génial. Je crois qu'il n'y a aucun gameplay à cette époque-là de RPG. Je vais remettre les mots dans le bon ordre. Il n'y a aucun gameplay de RPG de cette époque-là qui est aussi bien, je trouve. Voilà, ils disent tous des trucs comme ça. Bon, je vais pas tous vous les faire. Vous avez compris le principe. Je veux sortir, s'il vous plaît. Merci. Donc là, on a un magasin d'armes, un magasin d'armure, on va y aller. C'est marrant ça. Clé mort. Putain, j'ai que dalle, j'ai pas d'argent. Allez, bon, on va quand même acheter une clé mort. Merde. Bon, une clé mort alors. Pour Galuf, parce que il est à poil un peu quand même. Ouais, c'est pas son attaque de 3 à 15, hein, c'est pas négligeable. Bah, de toute façon, on viendra là pour acheter quand on aura fait le temple du vent, hein, qui est juste à côté. Voilà, cuirasse. Ça, c'est pas cher, dis donc. Putain, autant les armes sont hyper chères, mais alors les. Ça coûte que dalle les armures. Bon, du coup, en fait, Ferris fait moi alors, mais on peut même pas l'équiper après. Enfin, bref. Donc, les magies, on s'en fout. Il est déjà allé d'ailleurs. Ça, on a déjà pris. On a déjà fait ça ou pas? Putain, j'ai vraiment une mémoire de merde. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien. J'aime bien la musique. Alors. Maison de Zoc. Ah, du coup, on va gagner du temps pour trouver les coffres. Enfin, les trucs où il y a des trucs dans les coffres. S'il n'y a pas de point d'exclamation, on continue. Bon, mais il n'y en a pas du tout, de toute façon. Voilà, bon, il est pas là. Hein. Un petit truc là, d'autres mocassins. Et une queue de phénix. Merde, qu'est-ce que je fais? Voilà, voilà. Bah, on va équiper nos trucs là. Mocassin. Plus ça en défense et défense magique, c'est pas mal. Oui, le pub, j'ai oublié. Alors ça, ça sert à rien, mais c'est marrant. Merde, on fait comment? Ah, il faut que ça sorte là. Thank you.
Un peu striptease, là, quand même. Voilà, et on peut jouer du piano. C'est n'importe quoi, c'est parce qu'au début, il sait pas jouer, hein. Et à chaque piano qu'on jouera, voilà, ça va améliorer notre talent de pianiste. Ça permet de débloquer une chanson pour le job de barde qu'on aura plus tard dans le jeu. Ce qui dort. Putain, ils sont tous gains au perso quoi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pourquoi nos persos sont tous gays? C'est à cause du pendentif? Bon. Donc là, on n'a pas fait grand-chose dans cette vidéo, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes. Donc désolé pour l'irrégularité. Je vais y arriver. L'irrégularité, normalement. L'irrégularité. Ouais, faut toujours que je me fais chier. Merde, encore loupé. Elle repart à chaque fois. En fait, là, il y a une petite astuce. On attend qu'elle dort, faut attendre 22 minutes. Vous sortez, et là, on peut jouer sans Pharis. Non, je déconne. Je dis vraiment de la merde. Bon, allez. Trêve de conneries, on va aller au temple du vent. Le temple du vent qui est... Je sais plus où il est... Il doit être par là... Je sais pas... J'ai aucune idée d'où il est en fait. S'il est là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Est-ce qu'il y a des beaux villages à visiter? Des... C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Bon, bah, le temple du vent. Et puis, après le temple du vent, bah, vous verrez. Alors. Voilà. Avec une musique qui est excellente, d'ailleurs, le temple du vent. Ouais, il y a beaucoup de bonnes musiques dans ce FF, de toute façon. Donc, je vais sauvegarder là. Bring. Bon, en fait, ouais, la vidéo est pas beaucoup plus courte que celle-là, que la précédente, hein. C'est bien, j'arrive à faire des vidéos de 20 minutes pour une fois. Ben, je vous dis à la prochaine pour le Temple du Vent, où il y aura beaucoup plus d'action, un boss et des nouveaux trucs qui seront cool. Donc, ben, je vous dis à la prochaine. Salut, nourrissez-vous bien, tout ça. À plus.